Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2. Donc tout d'abord, avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace, une double dédicace à Juggernaut HD. Car c'est grâce à lui que ce glitch existe et c'est grâce à lui que je peux présenter ma vidéo, cette vidéo, car c'est lui qui me prête un niveau 45. Donc son compte tout simplement, donc un grand merci à lui. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube que je mettrai en description. Il fait des vidéos sur Call of Duty WW2, principalement des glitchs. Donc franchement n'hésitez pas à aller le soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Exploser son nombre de compteurs d'abord. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font. Alors, le glitch consiste à gagner des largages de ravitaillement en étant maître prestige. Oui, c'est possible. Mais après, je vais vous dire les risques de ban, parce que je suppose qu'il y aura sûrement des risques de ban. Et il y a un autre risque aussi, c'est de perdre son logo. Donc voilà, je vais vous montrer tout simplement maintenant. Regardez, je vais me connecter avec mon deuxième compte. Voilà, ok. Et regardez, vous voyez que le largage reset, donc le compte de Juggernaut, est niveau 45 avec les étoiles. Mais moi, mon compte soit cool, il a plus de niveau et il a plus son maître prestige. Par contre, quand je vais dans soldat, vous pouvez aller voir dans prestige, je suis toujours maître prestige. Sauf que le logo ne s'affiche plus. Mais bon, d'un autre côté, je m'en fous. Moi, ce que je veux là pour l'instant, c'est des largages de ravitaillement. Et en étant maître prestige, on n'en gagne plus aucun. Donc c'est vraiment tellement de la merde qu'on est obligé de glitcher leur jeu pour pouvoir gagner des largages de ravitaillement. Enfin bref. Donc là, je me déconnecte. Hop, je redeviens comme si... Voilà, j'étais pas connecté. Donc maintenant, comment j'ai fait pour réinitialiser mon compte Maître Prestige pour le remettre en niveau 1 et pour pouvoir cumuler des largages de ravitaillement? Bah là, je vais vous expliquer. Tout simplement, il vous faudra un niveau 45. Donc quand vous êtes niveau 45, vous connectez bien sûr avec votre première manette. Donc là, je me suis tout simplement, là je suis sur le compte largage reset. J'ai lancé Call of Duty avec ma première manette. Je me suis connecté en zombie. Et voilà, je suis sur le salon zombie. Ensuite, je vais dans trouver partie. Je me connecte avec ma deuxième manette. Donc ma deuxième manette qui est FR4 soit cool mec, donc soit cool. Je suis connecté avec soit cool. Je vais dans le jeu, j'appuie sur X, je connecte mon deuxième compte. Alors, soit vous allez dans partie personnalisée, soit vous faites L1 R1. Voilà, moi j'ai fait L1 R1, c'est pareil. Sauf qu'il y a un petit truc qui change, mais on s'en fout. Donc là, vous pouvez voir que je suis connecté avec soit cool et largage reset. Mais vous utilisez toujours la première manette. Vous allez dans soldat. Vous allez dans le soldat qui est niveau 45. Vous allez dans le dossier prestige. Et vous allez faire X une seule fois. Vous ne passez pas le mettre prestige. Maintenant, vous appuyez sur le bouton PS de votre première manette. Donc de largage. Et là, vous allez rejoindre une troisième personne. Donc une personne tierce, votre pote quoi. Et en fait, cette personne, elle sera dans un salon. Et en fait, elle aura juste créé un salon pour que vous puissiez la rejoindre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une partie vocale pour pouvoir la rejoindre via la partie vocale. C'est beaucoup plus simple que de recevoir des invitations de partie et parce qu'elles peuvent s'expirer, tout ça. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est de rejoindre la session tout simplement. Donc là, je rejoins la session. Ok, connexion à la session en cours. Vous touchez à rien, surtout ne touchez à rien. Vous attendez que vous êtes connecté. Si jamais ça ne vous connecte pas, vous fermez l'application et vous relancez tout simplement l'application et vous refaites ce que je viens de faire. Donc maintenant... Si, par exemple, vous tombez sur votre personnage soldat, comme ça, niveau 45, ben vous prenez toujours votre première manette et vous faites L1. Comme ça, vous êtes dans le salon. Ensuite, quand vous êtes dans le salon, c'est là qu'il faut prendre la deuxième manette. Vous prenez le contrôle de votre deuxième personnage, donc de soit cool, et je vais dans soldat. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez vérifier que c'est bien votre soldat soit cool avec votre maître prestige. Vous allez dans dossier, vous allez dans prestige, et là, vous appuyez sur X. Donc là, ils vont vous mettre prestige 11. Moi, ils mettent prestige 15 parce que j'ai essayé plusieurs tests. Bon, on s'en fout. Ils vont vous mettre prestige 11. Mais bon, ce sera toujours prestige 10. Mais vous serez niveau 1. En fait, ils mettent prestige 11 parce qu'on a réussi à faire bugger le truc. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'a plus de logo, en fait. Parce qu'on est prestige 11. Le jeu comprend qu'on est prestige 11, mais qu'on n'a pas... Ils n'ont pas de logo adéquat pour le prestige 11. Ils n'ont pas programmé ça. Donc, ils nous mettent aucun logo et aucun niveau en plus de ça. Donc, regardez maintenant quand je vais dans le salon. Tout simplement, j'ai pas de niveau et j'ai pas mon logo. Donc là, je vais. Donc là, maintenant, vous êtes niveau 1. Regardez, soldat. Donc là, ce que vous devez faire maintenant, quand vous avez réussi, c'est tout simplement aller dans la description de cette vidéo. Je mettrai un lien pour les caisses de ravitaillement en illimité. Vous pouvez en faire une par minute, c'est vraiment ouf, ça va super vite. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais mettre dans la description. Comme ça, vous pourrez glitcher. Là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais recommencer l'étape pour être sûr que vous ayez bien compris, que vous avez bien compris, que vous avez bien suivi, quoi, tout simplement.
Donc maintenant que j'ai passé mon maître prestige niveau 1, donc on va dire qu'il est de nouveau prestige 1000, niveau 1000 prestige voilà 10. Donc là je fais rond, voilà, je retourne sur mon maître, je retourne sur mon niveau 45, donc je déconnecte même soit cool, voilà comme ça, voilà, comme ça tout est bon. Je déconnecte soit cool, donc là je vais reconnecter soit cool, je vais dans trouver partie, j'appuie sur X. Ensuite, je vais en partie personnalisée, je fais même la deuxième méthode, comme ça, vous êtes sûr que ça fonctionne bien. Donc maintenant, je vais dans soldat. Ouais, soldat, mais avec mon niveau 45, vérifie toujours que c'est le niveau 45. Vous appuyez sur dossier, prestige, vous passez le prestige. Là, vous appuyez sur le bouton PS, toujours avec votre première manette. Vous allez rejoindre votre ami qui vous a invité, rejoindre la session. Tout simplement, connexion à la session en cours, ok. Ensuite, quand vous êtes là, bah, vous prenez possession de la deuxième manette, vous appuyez sur R1. Donc là, vous pouvez voir que c'est bien mon compte soit cool. Normalement, il serait marqué niveau 1000. Ok, donc c'est bien lui. Je vais dans le dossier, je vais dans prestige, j'appuie sur X et voilà. Je passe au prestige 11 normalement. Donc là, c'est prestige 16, mais on s'en fout. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Je pense que j'ai bien tout expliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. N'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de Juggernog HD pour essayer de lui aussi d'évoluer sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.